Depuis le mois de novembre dernier, Sébastien Coe fait l'objet de graves accusations. Plusieurs plaintes ont été déposées contre le célèbre animateur, dont une pour viol sur une mineure de 16 ans. Face à la tourmente, il a pris la parole le 10 décembre pour se défendre sur BFM TV dans l'émission CIST Pas tous les jours dimanche. Depuis novembre dernier, Sébastien Coe est dans la tourmente. L'animateur était visé depuis le samedi 18 novembre 2023 par une plainte pour viol, dont un sur une mineure de 16 ans. Depuis, deux plaintes pour des faits de viol et d'agression sexuelle auraient été déposées contre l'animateur selon nos confrères du Figaro. L'enquête a été confiée à la Brigade de protection des mineurs de la Direction régionale de la police judiciaire, DRPJ, puisque l'une des plaignantes était mineure au moment d'une partie des faits dénoncés. Ce sont donc désormais trois plaintes qui auraient été déposées contre Coe pour viol et agression sexuelle. Dans une interview accordée au magazine Closer, Nathalie D'Artois, la compagne de l'accusé, déclarait le 8 décembre passé, « C'était une fan hardcore, présente lors des enregistrements à Energy ou sur des étapes du Energy Music Tour. » Elle qui envoyait des photos ou vidéos d'elle dénudée à Sébastien et à des garçons de l'équipe. Point est de poursuivre, quand on est accusé de choses que l'on n'a pas faites, forcément on le vit très mal. On se dit, si est-il pas possible, si est-il un cauchemar, on va se réveiller. D'autant qu'il n'a jamais eu de problème auparavant de cet ordre en 40 ans de carrière. Des documents accablants? Si est-il profondément choqué par les accusations portées contre lui que Sébastien Coe a décidé, comme il l'a annoncé sur X, ancien Twitter, de porter plainte pour tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usage contre personne non dénommée. Le 10 décembre, il choisissait également de prendre la parole sur BFM TV dans l'émission Si est-il pas tous les jours dimanche. J'avais besoin de parler à des gens, de remercier les milliers de gens qui me soutiennent, débutait-il pour expliquer son choix de sortir du silence. Puis d'ajouter, j'avais envie de parler pour ma famille, pour mes amis, qui subissent, pour ma femme Nathalie qui est avec moi tous les jours. Je pleure sur son épaule tous les jours. Quand j'ai mon fils qui lit des attaques terribles sur internet et à qui je dois dire que tout est faux, quand j'ai ma belle-fille et que je pleure dans ses bras, si est-il quelque chose qui n'est pas normal. À l'intérieur, je suis en morceaux, je suis dévastée. Je pensais dans ma vie avoir vécu des moments durs, mais je suis en train de vivre le plus dur. Être accusé de telle chose, si est-il terrible, il n'y a pas pire. Assurait l'animateur qui s'est mis en retrait de l'antenne de Energy. Il assurait être innocent et précisait que la parole des femmes victimes est sacrée. Dans mon cas, il s'agit de mensonges. Je suis le premier plaignant dans cette histoire, je suis le premier à avoir porté plainte, s'est-il défendu. Il détaillait, j'ai subi pendant un mois des montages, des faux, sur Twitter et je suis allé porter plainte pour harcèlement. Deux jours plus tard, est arrivée une plainte pour une chose qui n'avait jamais été dite auparavant, si est-il à dire le mot viol. Lorsque nous avons vu une plainte arriver de cette demoiselle, nous avons déposé d'autres plaintes car nous avons eu d'autres documents qui nous ont permis de porter plainte pour dénonciation calomnieuse et extorsion de fonds en bande organisée, indiquait l'animateur qui assurait avoir avec ses avocats des documents accablants. Et de conclure serein, j'aimerais vous les montrer, mais je ne peux pas. Tout est entre les mains de la police. Affaire à suivre.